Yoga, yoga, yogeshwaraya. Bhuta, bhuta, bhuteshwaraya. Kāla, kāla, kāleshwaraya. Shiva, Shiva, sarveshwaraya. Shambha, Shambha, Mahadevaya. Yoga, yoga, yogeshwaraya. Bhuta, bhuta, bhuteshwaraya. Kāla, kāla, kāleshwaraya. Shiva, Shiva, sarveshwaraya. Shambha, Shambha, Mahadevaya. Yoga, yoga, yogeshwaraya. Bhuta, bhuta, bhuteshwaraya. Shambha, Shambha, Mahadevaya. I பாடி வந்து என்னை தேடிய பாதத்து கரார் ஆசைப்படார் பாதத்து பாராய் பதம் தாராய் துயத்தீராய் புலியூராய் நின் பாதத்து கராய் ஆசைப்படாய். Yasya brahmani ramate chittam Yasya brahmani ramate chittam Nandati nandati nandateva Nandati nandati nandateva Nandati nandati nandateva Namaskaram. Namaskaram tout le monde. Comment ça va aujourd'hui? Tous ceux qui sont sur le web, vous devez me dire comment ça va aujourd'hui. Il est important que vous soyez en vie et que vous soyez en forme. Vous devez répondre à cela et être toujours reconnaissant. Parce que le ciel n'a pas besoin de vous tomber sur la tête. Un virus peut suffire à vous tuer. Juste un micro-organisme. Je dis ça parce que, malheureusement, les êtres humains ont développé un tel sens de l'avoir droit. Il y a bien des raisons à cela. L'une d'elles est qu'on nous a dotés d'un peu plus de capacité intellectuelle, je ne dirais pas d'intelligence, d'un peu plus de capacité intellectuelle que toutes les autres créatures. Nous avons des technologies qui nous donnent un pouvoir énorme. Vous n'avez pas besoin d'être un homme très courageux pour aller tuer un tigre. Vous pouvez l'abattre à 1 kilomètre et vous sentir super fort. Donc, ces choses-là, et par-dessus tout, je pense les religions du monde ont mis cette fausse idée dans la tête des hommes que toutes les autres créatures sont là pour vous servir, du moins dans certaines parties des religions. Certains aspects de la religion ont mis cette idée dans la tête des hommes. Toutes les autres créatures veulent vous servir, sont ici pour vous servir. Vous êtes faits à l'image de Dieu. Ce sont toutes de simples créatures qui sont là pour vous servir. Allez juste voir une fourmi et demandez-lui si ça l'intéresse de vous servir. Eh bien, si vous ne comprenez pas, allez demander à un éléphant. Vous allez très bien comprendre que personne n'est ici pour vous servir. Pour eux, leur vie compte beaucoup. Pour une fourmi, la vie d'une fourmi est tout. Pour une sauterelle, la vie d'une sauterelle est tout. Pour un arbre, sa vie est tout. Pour toute créature, sa vie est importante. C'est ainsi que la vie est enchâssée dans chacune d'elles, y compris nous, bien sûr. Eh bien, la nature de la vie est telle que, pour que l'une vive, l'autre doit mourir. C'est la seule façon. Pour que le virus vive, nous devons mourir. Pour que nous vivions, ils doivent mourir. C'est ainsi fait. Elles sont toutes imbriquées les unes dans les autres. Tout le cycle alimentaire dans le monde est fait de telle manière que pour qu'un animal vive, il doit manger quelque chose d'autre. Une plante ou un animal, et pour qu'un autre animal vive, il doit manger celui-là, et c'est une chaîne. Donc ce cycle alimentaire est une chaîne durable. Ça peut continuer comme ça indéfiniment. Mais maintenant, nous l'avons sérieusement faussé. En notre faveur, c'est ce qu'on croit. Mais ça pourrait ne pas marcher en notre faveur à long terme, si on continue comme ça. Ce stupide sentiment d'avoir droit, cette idée que toute autre créature est là pour nous servir, ceci doit être banni du mental humain, c'est très important. Si l'on veut bien s'en tirer à l'avenir, il est très important de comprendre que toute créature a la place qui lui revient dans la création, et qu'elles sont toutes vitales pour notre survie et notre bien-être. Il y a beaucoup de recherches qui le montrent. Ils disent que si tous les vers de terre disparaissent, ce sera la fin du monde en environ 1 an et demi. En 18 mois, ce sera la fin de toute vie sur cette planète, si les vers de terre disparaissent là tout de suite. Si tous les insectes disparaissent, en 4 à 4 ans et demi, ce sera la fin du monde, tel qu'on le connaît. Si tous les microbes disparaissent maintenant, en ce moment, on se bat contre le virus, mais disons que tous les micro-organismes disparaissent là tout de suite, tout va mourir tout de suite, y compris nous. Mais si tous les êtres humains disparaissent, le monde va s'épanouir. Donc, nous devons comprendre quelle est l'importance de notre existence sur cette planète. Malheureusement, elle a été très exagérée dans les têtes des hommes. Dieu nous a fait à sa propre image. Il a exactement la même apparence que nous. Comme ça. À cause de cela, nous avons le droit de faire tout ce qu'on veut avec toutes les autres créatures. Eh bien, si c'est une question de survie, et qu'on tue quelque chose, c'est un autre sujet. Mais on a tué pour notre plaisir. La seule créature sur cette planète qui tue pour le plaisir est l'être humain. Aucune autre ne tue pour le plaisir, elle tue pour survivre. Donc, ce sens de l'avoir droit a coûté extrêmement cher à la vie sur cette planète. Comme ça coûte très cher aux autres vies, nos vies vont progressivement devenir misérables. Je parlais à l'instant à un groupe de quasiment 100 000 médecins en ligne. Ils m'ont demandé, « Sadhguru, quelle est votre perspective sur ce virus? Pourquoi pensez-vous qu'il est arrivé? Est-il venu pour nous donner une leçon ?» Eh bien, je ne suis pas du genre à dire, quand quelqu'un souffre, c'est une leçon pour vous. À l'heure actuelle, soit vous êtes infecté, soit vous avez perdu quelqu'un qui vous est cher, et il y a tant d'autres sortes de pertes. Ce n'est pas le moment de vous dire, « Ceci est une leçon, Dieu vous donne une leçon. » Tous les toqués religieux sont déjà en train de dire, « Dieu nous donne une leçon. » Non, personne ne nous donne de leçons. Il est très naturel que sur une balançoire à bascule, si vous descendez comme ça, du fait de votre poids, au bout d'un certain temps, quelqu'un va appuyer de ce côté-là et ça va repartir comme ça. La vie est toujours dans un mouvement de bascule. La nature a toujours maintenu son équilibre. Parfois il est faussé, mais il essaie toujours de se rétablir. Maintenant, supposez que vous soyez un virus, d'accord? Je veux juste que vous imaginiez, c'est une pensée très stimulante. Supposez que vous soyez le virus, et disons que vous viviez que dans des animaux sauvages, les pangolins et les chauves-souris et tout le reste. Le nombre d'animaux sauvages a sérieusement chuté. Ces 50 dernières années, une diminution de 70% des vertébrés, parmi les vertébrés, les populations sauvages ont été réduites de 70%, pendant que notre population a augmenté à un rythme fou. Donc supposez que vous soyez un virus vivant dans les pangolins et qu'il meurt sans cesse. Votre territoire ou votre terrain ou habitat se rétrécit. Ne tenteriez-vous pas, n'iriez-vous pas essayer de trouver une nouvelle créature dans laquelle habiter? Ne le feriez-vous pas? Je vous le demande. Vous le feriez à coup sûr. Peut-être que c'est tout ce qu'ils font. Ils étaient heureux avec leurs pangolins pendant des siècles ou des millions d'années, je ne sais pas combien de temps. Mais maintenant, il n'y a plus d'habitat, il disparaît, ils doivent s'adapter. Ils doivent trouver un nouveau territoire. Quand la vie en Europe et en Grande-Bretagne est devenue très difficile à une époque, ils ont désespérément cherché à trouver de nouvelles terres. Ils ont trouvé l'Amérique, l'Australie et autres. Eh bien, partir vers un nouveau territoire pouvait être synonyme de mort. Tout un tas de gens ont perdu la vie, rien qu'en essayant d'y aller. Et beaucoup d'autres sont morts après être arrivés là-bas. Mais les gens ont tout de même continué, parce que trouver un nouvel habitat était devenu très important, parce que là où vous étiez, c'était bondé et pas d'endroit pour vivre, pas d'opportunité. Donc même au péril de votre vie, vous partiez là-bas. D'une certaine façon, c'est tout ce que fait le virus. Je ne parle pas de virologie, je parle du simple bon sens de toute vie. Toute vie va procéder ainsi. Si son habitat est détruit, elle va essayer d'empiéter sur un nouvel habitat. Donc en ce moment, nous sommes juste un nouvel habitat. Je sais que sur les réseaux sociaux, tout un tas de gens sont devenus fous quand j'ai dit « Le virus n'a pas l'intention de vous tuer, il essaie de vivre, d'accord? Mais il vit à pleine force. Comme il vit avec tant de force, vous mourrez. Si vous étiez aussi fort qu'un pangolin, ou si vous étiez au moins une chauve-souris, alors vous seriez heureux, le virus serait heureux. Mais vous n'êtes pas construit comme les autres créatures, donc ça vous affecte d'une certaine manière. Eh bien, s'il y avait une autre population, autre que la population humaine, peut-être qu'ils y seraient allés. Mais dans leur sagesse, ils ont compris que la seule population en plein essor en ce moment est la population humaine, en expansion constante. Donc ils ont fait le bon choix. Eh bien, ça peut vous sembler insultant, mais c'est ainsi que la vie fonctionne. C'est ainsi que même nous fonctionnons, quand notre survie est menacée, n'est-ce pas? Donc, faire face à la situation actuelle en respectant une distance sociale, avec des soins médicaux, tout cela est très bien. Mais en termes d'existence à long terme sur cette planète, nous devons accepter le fait que cette planète a été faite pour toutes les créatures, toutes les vies, et qu'elles étaient ici avant nous, et qu'elles seront ici après nous. Oui. Donc, elles ont autant le droit d'exister ici. Voyez? Voyez, ils sont tous d'accord avec moi. Ils ont autant le droit d'être ici que vous. Bien sûr, vous aussi avez le droit d'être ici, mais pas au-dessus d'eux. On ne vous a pas donné des droits tels que Dieu vous a donné une position dans laquelle toutes les autres créatures sont là pour vous servir. Dans ce cas, un tel Dieu n'a pas la moindre idée de la façon dont cette planète fonctionne. Il doit choisir une autre planète pour être Dieu là-bas. Sur cette planète, c'est ainsi que la vie est structurée. Elles sont toutes enchevêtrées les unes dans les autres. Seul le bien-être de toutes les vies crée le bien-être de tous. Si l'on retire une quelconque dimension à la vie, alors la vie va sérieusement s'effondrer à tous les niveaux. Donc, ce droit ou sentiment d'avoir droit doit disparaître. Peut-être que Dieu ressemble à une sauterelle. Qu'en savez-vous? Pourquoi pas? Il faut juste qu'elle soit grosse, c'est tout. Donc dans cette culture, on a donné toutes sortes de formes à ce que l'on considère être divin, rien que pour vous faire réaliser cela. Même une souris est vénérée, un serpent est vénéré. C'est très important, parce que si vous ne comprenez pas l'importance d'une souris, et d'un serpent, et d'un oiseau, et d'un animal, et d'un arbre, eh bien, vous courez au désastre. Il n'y a aucun doute là-dessus. Mais ce sentiment de « je suis une super vie au-dessus de toutes les autres », ce sentiment d'avoir droit doit disparaître. C'est le bon moment pour le réaliser. C'est très marrant. Le monde marche comme ça. Ceci est arrivé. Un Russe arrive en Californie. Il rencontre un chef de chantier. Vous savez, il cherchait un boulot et il se retrouve sur un chantier. Et le chef de chantier lui demande, en Russie, vous travaillez combien d'heures par semaine? Il dit, on travaille 70 heures par semaine. Oh, vraiment? Ici, on ne travaille que 40 heures. Mais comment ça? Pourquoi vous ne pouvez pas travailler 70 heures? Demande-t-il. Je suis prêt à travailler 70 heures, pourquoi est-ce que vous ne travaillez pas? Oh, ici, tous les travailleurs sont de fichus communistes. Dans un pays communiste, ils vont travailler. Partout ailleurs, les mêmes personnes vont continuellement se battre pour travailler de moins en moins en moins. Soudain, ils vont avoir le sentiment d'avoir droit, toujours, et essayer de profiter de tout. C'est devenu le mode de fonctionnement de l'être humain. Non. Étant la créature la plus évoluée, nous devons être un peu plus magnanimes envers toutes les autres vies. Voyez, si vous êtes placé en hauteur, à une certaine altitude, vous devez avoir un sentiment de dignité différent et vous préoccuper de tout. On ne s'attend pas à ce qu'une fourmi se préoccupe de toute vie. On s'attend à ce qu'un être humain le soit. Mais comme ce genre de bêtises leur ont été enseignées, que toutes les autres vies sont ici pour vous servir, vous pouvez tuer n'importe quoi et faire ce que vous voulez sans scrupule, à cause de cela, une certaine quantité de souffrance va nous atteindre. Et c'est arrivé, malheureusement, sous cette forme. Mais c'est aussi... Comprenez-moi bien, C'est une mauvaise chose à cause de sa vitesse de propagation. Ça se répand très vite, mais heureusement, sa capacité à tuer est faible comparée à ce qu'on a connu par le passé. Les pestes buboniques vidaient des villages et des villes entières d'un coup à une époque. La grippe espagnole a tué plus de 50 millions de personnes dans le monde. 50 millions. Elle a quasiment infecté un tiers de la population mondiale à l'époque, plus de 150 millions de personnes. Mais à l'époque, il n'y avait pas de voyage aérien. Les gens n'étaient pas aussi mobiles, et ça s'est quand même passé comme ça. À côté de ces choses, c'est un bon virus. Je sais que je vais m'attirer beaucoup d'ennuis en appelant le virus un bon virus. Comparé à la virulence de ces choses, il est modéré, mais il se répand rapidement. Mais l'avantage, c'est que nous sommes les porteurs. Si on veut, on peut l'arrêter. S'il était porté par autre chose, si les fourmis le propagaient, si les souris le propagaient, si les oiseaux le propagaient, vous ne pourriez pas les arrêter. Mais nous sommes les porteurs, donc on peut les arrêter. Mais les êtres humains sont dans une telle confusion, petit à petit, ils commencent à s'organiser, un peu plus. Heureusement, en Inde, à la fois les citoyens, l'administration et le corps médical répondent de façon fantastique, à part quelques idiots qui existent. La majorité de la population, le corps médical et l'administration, les dirigeants politiques, tout le monde, boum. Je pense que si on doit noter les nations en fonction de leurs réponses, pour une nation démocratique où vous ne pouvez pas utiliser trop de force, je pense que nous sommes ceux qui avons le mieux géré jusqu'ici. Pour 1,4 milliard de personnes, moins de 300 morts est un résultat fantastique. Mais ça pourrait augmenter dans les 1 ou 2 semaines à venir. Donc, il est quasiment certain que le confinement va continuer pendant encore 2 semaines. Donc, ceux d'entre vous qui sont au centre de yoga et ceux d'entre vous qui sont en ligne avec nous pour le darshan, on est tous comme les doigts de la main maintenant. 2 semaines de plus. Donc, c'est le moment pour nous de montrer quel genre d'être humain nous sommes. C'est un moment qu'on peut utiliser pour nous améliorer en tant qu'être humain individuel, parce qu'il n'est pas possible d'améliorer une société, parce que société n'est qu'un mot, nation n'est qu'un mot, monde n'est qu'un mot. Il n'y a que les êtres humains individuels. Sans transformer les êtres humains individuels, il n'y a aucune transformation dans le monde. Donc, en ce moment, il y a une pause. C'est le bon moment. Vous tous, concentrez-vous au moins là-dessus, chacun d'entre vous, et dites-le à tous ceux que vous connaissez. 10% d'amélioration, d'accord? Je ne vous demande pas de soudainement devenir autre chose et de faire apparaître un halo autour de votre tête. 10% d'amélioration. Faites juste une liste, votre forme physique. Où en êtes-vous? Elle doit s'améliorer de 10% d'ici fin avril. Vos capacités mentales, où en êtes-vous? 10% d'amélioration. Quel que soit le travail que vous effectuez dans la vie, vous cuisinez, vous préparez le thé, vous dirigez le pays, quoi que vous fassiez, 10% d'amélioration. Si vous avez simplement un magasin de thé, si votre thé devient 10% meilleur qu'il ne l'est actuellement, oh, vous allez très bien vous en sortir après le virus. 10% meilleur en tout, physiquement, mentalement, émotionnellement, et en termes de compétences dans quoi que ce soit que vous fassiez, chacun d'entre vous. Faites juste ça, parce que vous n'aurez plus jamais cette occasion dans votre vie. Mais ce que je conseillerais, C'est qu'à l'instar de toutes les écoles qui s'arrêtent pendant 6 semaines l'été, ou 8 semaines, ou n'importe, je pense que toute l'humanité devrait faire une pause pendant 3 semaines, chaque année. Pas de machines, pas d'industrie, pas de voiture sur la route. Si vous voulez, vous pouvez faire du vélo, vous pouvez marcher, vous pouvez faire de la randonnée, mais pas de technologie. Les technologies qui ne polluent pas, vous pouvez les utiliser, les ordinateurs et autres, mais pas de machines, cracheuses de fumée, d'industrie, rien, juste pour 3 semaines. Je pense qu'au bout de quelques années, en constatant les bienfaits que ça apporte, les gens vont voter pour 6 semaines. Oui. On devrait y réfléchir. Pourquoi le virus devrait nous forcer à le faire? Cette fois-ci, oui, c'est lui qui nous a soufflé la bonne idée. Mais je pense qu'on devrait le faire. Tout le monde, l'humanité tout entière, se concentre sur comment s'améliorer de 10%. Imaginez si, chaque année, tout le monde s'améliore de 10%. En l'espace de 10 ans, dans quel genre de monde on vivra? On vivra dans un monde fantastique, avec des êtres humains vraiment un cran au-dessus, physiquement, mentalement, émotionnellement. Vous devez l'écrire, faites-le tous. Physiquement, où en sont vos... vous savez, vos paramètres. De quoi êtes-vous capable? 10% d'amélioration, qu'est-ce que ça veut dire? Votre état mental? Où en êtes-vous? Décrivez-vous. Pas besoin de le montrer à qui que ce soit. Et disons 10% d'amélioration, qu'est-ce que ça veut dire? Émotionnellement, où en êtes-vous? À quel point vous êtes doux à l'intérieur? Ou aigre à l'intérieur? Comment améliorer ça de 10%? En ce qui concerne votre travail, où en êtes-vous? En ce qui concerne vos compétences, comment vous améliorer de 10%? Oh, en 10 ans, quel monde fantastique nous aurons! On devrait le faire. Au centre de yoga, on a toujours ça pour les gens. Les brahmacharis font 60 jours de silence par an. 60 jours. C'est pour améliorer l'individu. Parce que si vous n'êtes pas amélioré, comment votre travail va-t-il être amélioré? Comment le monde va-t-il être amélioré? Les gens me posent toujours cette question. Sadhguru, comment se fait-il que, sans aucune qualification, sans rien, tout roule si bien à Isha? Comment se fait-il que leur performance soit si bonne? Vos événements sont, vous savez, au top niveau. Comment ça se fait? C'est parce que nous nous concentrons sur les êtres humains individuels et leur amélioration. C'est ce que le monde a besoin de faire, c'est ce que le pays a besoin de faire. C'est une leçon virale, elle doit devenir virale. Mais les gens font... vous savez, regardez votre vie, s'il vous plaît, et voyez. À quel point est-elle précise? Vos pensées, vos émotions, vos actions, à quel point sont-elles précises et orientées vers quelque chose? Ça part dans tous les sens, vous savez. Et vous arrivez quand même à faire quelque chose de merveilleux dans votre vie. C'est la raison pour laquelle tout le monde regarde toujours vers le haut, parce qu'ils savent qu'ils sont une réussite accidentelle. C'est devenu courant, partout dans le monde, comme ça, parce qu'ils sont un accident. Non, il est très important que les êtres humains soient une existence consciente et précise et orientée vers quelque chose. Ceci est arrivé. Une jeune femme conduisait, et la voiture fait comme ceci, comme ça, comme ça. Un autre conducteur fait tout son possible pour éviter cette voiture, mais il finit par lui rentrer dedans. Heureusement, rien de grave pour personne. Donc, il sort de sa voiture, va la voir et lui dit, « Je ne sais pas ce que vous vouliez faire, mais vous auriez au moins pu le signaler, vous savez. Vous auriez pu faire un signe. Qu'est-ce que vous vouliez faire ?» Elle lui dit, « Il n'y a pas de signe pour ce que je voulais faire. » Pour beaucoup de gens, c'est comme ça. Il n'y a pas de signe pour ce qu'ils veulent faire, parce qu'ils n'ont pas la moindre idée de ce qu'ils veulent faire. Il est temps d'y réfléchir. 3 semaines par an devraient suffire pour en décider. On peut faire l'esquisse d'une espèce de processus, vous savez, 112 processus différents pour 112 types de personnes différentes sur la planète. Quelles sont les choses simples que vous pouvez faire en 3 semaines pour vous améliorer physiquement, mentalement, émotionnellement, spirituellement et au niveau de vos compétences dans ce que vous faites? Les gens me disent, « Sadhguru, vous savez, les gens qui ont goûté ce que je cuisine, ils disent, « Sadhguru, vous devez donner des leçons de cuisine pendant cette pause. » J'y réfléchis aussi, mais en termes de temps, ça va prendre trop de temps. À nous de jouer. Eh bien, on a 3 semaines de plus maintenant, minimum. Donc, utilisez ce temps, utilisons ce temps pour vraiment nous améliorer d'au moins 10% à tous les niveaux de nos vies. À nous de jouer. Les questions, s'il vous plaît. Cette question est de Ashwin. Namaskaram Sadhguru. Vous avez mentionné dans l'un des darshans que les bénévoles d'Isha vont dans les villages alentours et sensibilisent au coronavirus. Je suis basé à Mumbai et je ne peux pas venir, mais j'aimerais vraiment pouvoir aider à faire en sorte que les villages de nos campagnes restent en sécurité. Merci de me dire comment est-ce que je peux aider depuis chez moi. Voyez, en ce moment, le nombre de gens que nous devons servir augmente continuellement, en particulier avec ce confinement prolongé. Je pense que le nombre de gens qui vont devenir vulnérables et incapables de s'occuper d'eux-mêmes pendant le confinement va fortement augmenter. En ce moment, nos bénévoles dans la région servent à un certain nombre de gens des repas cuisinés. Donc, ce besoin en repas cuisinés pourrait augmenter assez fortement dans les 1 ou 2 semaines à venir. Comme vous le savez, on peut tout repousser, mais on ne peut pas repousser notre déjeuner et dîner. On ne sera peut-être pas capable de leur fournir ce qu'ils mangent habituellement, mais au moins 2 repas par jour, nous voyons comment leur fournir cela. Pour cela, l'infrastructure nécessaire, l'infrastructure physique, l'infrastructure humaine, et les provisions nécessaires, les légumes nécessaires, tous ces achats ont lieu en mode de guerre. Et j'ai déjà fait appel à vous, je ne veux pas faire appel à vous tous les jours, mais on a besoin d'argent. Malheureusement, on a besoin de beaucoup d'argent, parce qu'il n'y a que comme ça qu'on peut servir beaucoup de gens. Comme j'ai annoncé hier, le nombre de, vous savez, masques N95 et gants et ces lampes de désinfection UV, toutes ces choses arrivent ici. Je crois qu'elles sont déjà arrivées aujourd'hui, et il y a encore des choses qui arrivent depuis la Chine. Je pense que cette partie-là est raisonnablement sous contrôle, au moins pour cette région, parce qu'on cherche à voir comment être actif dans cette région pour être une force efficace plutôt que de nous disséminer partout. En même temps, dans l'émission télé sur Time Now, j'ai parlé d'un numéro qu'ils peuvent appeler. 83 000 c'est le numéro du service d'assistance de Isha, auquel les gens peuvent envoyer des messages s'ils voient que quiconque se rapproche d'une situation de famine, que leur alimentation de base n'est pas assurée. Où que ce soit dans ce pays, ils peuvent envoyer un message, et en moins de 24 heures, nous allons répondre en faisant appel aux bénévoles dans cette région. Tout cela nécessite, vous savez, un certain soutien financier pour que ça puisse avoir lieu. Mon tableau est quasiment terminé. Je crois que demain, les photographies vont être publiées. Et si vous avez l'argent pour acheter un tableau, vous pouvez l'acheter. Nous allons vendre l'original et nous allons aussi vendre les copies. L'original fait 5 par 5. Tout le monde n'a peut-être pas un si grand mur chez soi. Donc, nous allons aussi vendre les copies qui sont un peu plus petites. Donc, on espère faire plus. Si nécessaire, je vais vous donner des cours de cuisine, je suis prêt à faire n'importe quoi. Tous nos volontaires travaillent à divers niveaux en respectant les règles de distanciation sociale. Donc, à cause de cela, on ne peut pas vraiment sortir et faire ce qu'on aurait fait autrement, parce qu'on veut respecter les lois et, par-dessus tout, être une source d'inspiration pour que tout le monde les respecte. Mais nous voulons créer diverses choses à travers lesquelles des fonds peuvent être levés. Nous envisageons d'autres projets à travers lesquels des fonds peuvent être levés, pour qu'en cette période, c'est mon engagement, que les gens ne meurent pas de faim. Le virus sévit. Cela n'est pas entre nos mains, cela est entre les mains du personnel médical. Ne pas submerger les infrastructures médicales avec trop de gens infectés est la responsabilité de tout citoyen, et l'administration met ça en place. Et en grande partie, ils suivent ces règles, et ça se passe bien. Mais maintenant, dans les 2 semaines à venir, ça pourrait s'intensifier un peu, il va falloir qu'on s'en occupe. Une chose négative dans tout ça, qui est très préoccupante, c'est qu'en Corée du Sud, et probablement aussi en Chine, les gens qui ont été infectés et s'en sont remis et ont été testés négatifs il y a quelques semaines sont à nouveau testés positifs maintenant. Ça, c'est très préoccupant. Ça n'était pas prévu, ou on espérait que ça n'allait pas arriver. Majoritairement, les gens pensaient qu'une fois que vous avez été infecté, vous aurez les anticorps pour combattre et vous serez en quelque sorte immunisé, que votre système immunitaire allait s'en charger pour vous. Mais des infections secondaires ont lieu chez les gens, ce qui est très préoccupant, parce que quand le cycle va-t-il s'arrêter? On pensait que ça allait atteindre un certain niveau d'infection et qu'ensuite ça allait diminuer. Mais maintenant, les personnes qui se sont sorties d'une infection sont à nouveau infectées. Ça, c'est une complication très importante, parce qu'on ne sait pas où ça va mener. Donc, comment rétablir l'activité économique dans le pays? Ce travail est en cours. Nous essayons de voir comment nous pouvons nous impliquer avec la communauté agricole locale pour voir comment les remettre sur les rails. Je ne sais pas ce qui a été annoncé, je crois qu'en ce moment, le Premier ministre doit être en train de l'annoncer. Ceux d'entre vous qui ont des télévisions, peut-être que vous le voyez. Il pourrait y avoir des assouplissements du confinement. Un assouplissement important que j'avais aussi proposé lorsque j'ai discuté avec lui, c'est d'assouplir le confinement dans le secteur agricole avec les instructions nécessaires en termes de distanciation sociale. En général, la nature de l'activité agricole est telle qu'il y a naturellement une distance entre individus, il n'y a pas de foule de gens, à part dans certaines activités où ils peuvent facilement être espacés. Donc l'activité agricole doit reprendre parce que ça représente 60% de la population dans le pays. De plus, c'est la sécurité alimentaire pour la nation, pour l'année à venir. Donc ça doit reprendre. Ils vont peut-être assouplir d'autres services essentiels aussi et améliorer l'efficacité de certaines chaînes d'approvisionnement. Je pense que cela aussi va avoir lieu. Mais les trains et les avions ne vont à coup sûr pas fonctionner jusqu'à la fin du mois. C'est sûr à 100%. Ils ne vont pas fonctionner, parce que ce sont les principaux vecteurs de propagation à longue distance. Donc les voyages vont être limités. Ils vont peut-être mettre en place des restrictions au niveau des taluks, au niveau des districts, pour que les gens ne bougent pas géographiquement. Ils restent dans les limites de leur terrain. S'ils sont infectés, ça reste localisé, pour pouvoir mieux le gérer, au lieu d'avoir des gens qui voyagent librement dans tous les sens. Donc toutes ces choses sont en cours. Les citoyens doivent coopérer, et en ce qui concerne votre contribution en ce moment, si vous êtes à Mumbai, vous n'avez pas à venir ici pour aider. La meilleure chose à faire est de contribuer de toutes les façons possibles, autrement, beaucoup d'entre vous peuvent mettre en place vos propres plateformes de contribution. Et si vous collectez cela et nous l'envoyez, ça va être bien utilisé, à coup sûr. Nous vous assurons que chaque roupie que vous envoyez sera bien utilisée. Et c'est tout ce qu'on peut faire pour le moment. Je crois qu'on a dépassé le temps imparti. Merci beaucoup, et c'est maintenant, parce que maintenant le confinement a été prolongé de 21 jours supplémentaires, ou encore 21 jours à partir d'aujourd'hui, ou 20 jours probablement. Gérer ce temps de façon responsable pour le bien-être de tout notre entourage, protéger cette tranche d'âge vulnérable, protéger les personnes âgées, veiller à ce que tous ceux qui ont plus de 65-70 ans survivent à ce virus. Nous devons tous nous engager à cela, nous comporter de façon responsable, assurer leur sécurité et leur bien-être, et les bébés de moins de 1 an, et les personnes qui sont vulnérables pour d'autres raisons médicales aussi, et faire en sorte que ça ne devienne pas une grande calamité, mais juste une anomalie dans nos vies dont on s'est bien sorti. À nous de jouer pour battre le virus. Yoga yoga yogeshwaraya Bhuta bhuta bhuteshwaraya Kāla kāla kāleshwaraya Shiva Shiva Sarveshwaraya Shambha Shambha Maha